Eusen Texero, membre de Carbao West Lyonnais. Ma société s'appelle Coedia, je suis designer graphique et web, donc concrètement je conçois des identités visuelles avec des logos, des sites internet et je conçois aussi les supports de communication web et papier. Aux associations, aux clubs et de manière un peu plus générale aux petites structures, mon objectif était de rendre la communication accessible à tous. C'est m'occuper de clients de milieux différents. Je fais jamais la même chose chaque jour. Chaque jour est un nouveau jour. À l'image de mon logo qui est un caméléon, je pense être la meilleure pour ma capacité d'adaptation. Mon objectif, c'est de m'adapter à mon client, de m'adapter à son besoin, que sa demande corresponde à ses valeurs. C'est un objet que j'ai tout le temps sur mon bureau. Dans la vie, je suis passionnée de casse-tête. J'ai choisi cet objet parce que quand je me voulais faire une petite pause créative, je le prends, je fais mon petit casse-tête et c'est reparti. La bienveillance, la transparence, l'accessibilité. Mon objectif, c'est de rendre la communication accessible à tous et ça fait vraiment partie des valeurs que je veux mettre en avant. On est dans les métiers de la publicité. Je pense que le papier, ça va être encore plus réduit. Je pense aussi que la communication va être temporisée. Actuellement, on est un peu noyé de publicité et je pense qu'on va avoir davantage le droit à la déconnexion publicitaire. Un client satisfait me recommandera d'abord. Je demande toujours les avis à mes clients. Mon objectif, c'est d'avoir leur ressenti pour pouvoir m'améliorer, pour progresser. On le sent tout de suite, un client satisfait, il sourit, il est content quand on l'appelle. J'aime beaucoup prendre des nouvelles de mes clients et on le voit quand ils me répondent, c'est que c'est bon signe. J'ai intégré le club Carbao West Lyonnais il y a 3 ans. Comme beaucoup, je suis arrivée pour le business et je suis restée pour la bienveillance dans mon club. C'est vrai qu'on associe souvent les dirigeants à une grande solitude et avec ce club-là, cette solitude, on la ressent plus du tout. Et c'est pour ça que je suis restée et que j'aime beaucoup mon club.